Coucou, mes petits laporos, ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une nouvelle activité pour découvrir quelques émotions. Donc, on a besoin des feuilles. C'est préféré. Je préfère des feuilles jaunes, des ciseaux et un crayon. Premièrement, on va tracer des cercles et après, on va les découper. Comme vous voyez, j'ai déjà découpé les cercles. Vous voyez? On commence par la première émotion. Je vais dessiner ici. Voilà. Des cercles sont des visages. Après, on va dessiner les traits de visage pour découvrir de quel sentiment ou bien de quelle émotion il s'agit. On commence par la première émotion. Il s'agit de quelle émotion, à votre avis? Voilà. C'est la joie. Il s'agit de l'émotion de la joie. Très bien. La joie, c'est un visage souriant. C'est le symbole de la joie. On passe aux deuxièmes émotions. C'est l'émotion de regardez, il s'agit de quelle émotion? Oui, la surprise. Par exemple, quand on voit quelque chose de la magie, c'est là l'émotion de la surprise. Très bien. Troisième émotion, c'est je vais dessiner les traits de visage pour découvrir de quelle émotion il s'agit. Il s'agit de quelle émotion? Oui, c'est la peur. Quand on est peur, les traits de visage, c'est les traits de visage d'un visage de quelqu'un qui est peur. Passe à la quatrième émotion.
C'est... Oui, très bien. La tristesse. Ce visage, il pleure. C'est la tristesse, l'émotion de la tristesse. On va passer à la dernière émotion. À votre avis, qui sera la dernière émotion ou bien la cinquième émotion? La dernière émotion, c'est la colère. Très bien. Donc, ce sont les cinq émotions qu'on a découvertes ici. La joie, la surprise, la peur, la tristesse et la colère. Donc, c'est fini pour aujourd'hui, les enfants. Au revoir à la prochaine, Inch'Allah.